Bonjour guys! On recommence un nouveau vlog aujourd'hui. Je t'habille comme la dernière fois. Ça fait genre 5 jours que je vous avais vlogué. Puis ben, je me suis rhabillée pareil, fait que c'est vraiment drôle. Fait que hi! J'ai reçu ma chaise en neuf suite au vlog où est-ce que je vous disais que je l'avais pas encore reçue. Divan samedi prochain. Fait que je suis fucking énervée. Je me suis acheté un petit Starbucks. Ça fait full longtemps que j'ai pas pris de Starbucks. Fait que j'ai coupé ça depuis que je suis en appart. Cheers! Fait que là, aujourd'hui, j'avais un petit dimanche de congé avec mon chum. Fait qu'on est allé faire des petites commissions de trucs qui nous manquaient pour l'appart. On a encore tellement de trucs qui manquent, là. Sérieux, là? Ça n'a aucun sens comment que ça finit jamais. Il y a tout le temps quelque chose. Il y a tout le temps quelque chose qu'il faut acheter. Fait que on y va petit à petit. Fait que j'avais le goût de faire un petit unboxing de ce que j'ai acheté pour ceux que ça intéresse. Car moi, ça m'intéresserait de voir ce que le monde achète. Puis leur moving vlog. Fait que je fais ce que j'aime. Hein? Je fais les vidéos que j'aime regarder. Fait que pour commencer, on est allé chez Dolo. Puis j'ai acheté un petit panier pour... une petite boîte pour recycler. Parce qu'on recyclait même pas encore, vu qu'on n'avait rien pour mettre notre recyclage. Fait que, au plus vite, je voulais acheter ça. J'ai aussi acheté quelque chose quand même gros pour arroser toute ma panoplie de plantes. On a acheté aussi des petits crochets pour mettre dans l'armoire du lavabo de cuisine pour les serviettes, là, parce que c'est un peu tannant de tout le temps avoir des serviettes qui traînent. Sinon, c'est pas mal ça pour le dolo. Puis j'ai acheté chez Stokes des petites pinces comme ça. Trop nice pour brasser la salade. On n'en avait pas encore. Puis je voulais vraiment avoir comme deux mains. On avait ça à la maison, puis j'aimais trop ça. Ah, ben là, ça prend pas, je suis en train de penser à d'autres choses, mais notre lave-vaisselle n'était pas encore fonctionnel vu que le plombier, je sais pas ce qui s'était passé, mais en tout cas, il y avait rien qui marchait. Puis là, ils sont venus, fait que. On dirait que les choses avancent, là, genre, c'était. C'est ça. On dirait qu'il y a plein de petites péripéties qui nous arrivaient, puis là. Il y avait plein de fois que j'avais commandé que je recevais pas, après ça, telle affaire qui marchait pas, puis là, comme tout devient comme. Plus sous contrôle. C'est des petits points dans même. Fait que, ben cool. Chez Simons, j'ai acheté un genre de coussin d'extérieur pour ma chaise en neuf. Fait que, c'est ça. J'avais un petit coussin. Félix, il voulait un genre de pompe à savon pour le savon à vaisselle. Puis celui-là, on le trouvait vraiment cool. Fait qu'on va pouvoir le mettre ici. J'ai acheté un vase pour mes plantes. Je sais pas laquelle va avoir la chance d'être dans ce beau vase, mais j'en ai acheté un. J'ai besoin de tellement de vases, mais je n'achèterai pas 5 en même temps. Donc, fait que j'ai acheté lui aujourd'hui. Il est fucking lourd et je le trouvais vraiment beau. Sinon, chez Marshalls, une boutique que personnellement je porte pas full à mon cœur. Je sais pas. Genre, je suis vraiment plus team winners, mettons, entre les deux. On a acheté un rack pour la douche. Parce que là, on a comme pas de place pour mettre nos affaires. J'ai acheté ça pour les voyages parce qu'on va recommencer à voyager bientôt. Parce qu'on s'est vacciné. Puis parce que ça commence à déconfiner. Puis vous savez mon amour pour les voyages. Fait que dès que je peux, miaou, on est parti. Fait que j'ai acheté ça pour des rasoirs. Tu sais, là, les rasoirs, on fout ça dans quoi? Moi, là, je les enveloppe de papier de toilette. Puis après ça, j'arrive, puis il y a plein de modes de papier de toilette sur mon rasoir. C'est optionnel. Fait que ça, là, 3 piastres, 3 petits caoutchoucs pour rasoir. Fait que, more shows, guys. Et puis, pour finir, un panier qui ressemble full à ça que j'avais acheté pour la chambre. Je sais pas si vous vous en rappelez dans d'autres vlogs. C'est la même marque, c'est juste qu'il est plus gros. Il est gris au lieu d'être blanc, puis noir comme l'autre. Fait que pour la salle de bain. Parce qu'on avait un panier bien cheap pour le moment, mais
c'est ça. On avait le goût que ça soit plus cute. Fait que c'est ça. Il y a quand même vraiment des belles affaires au niveau de la déco, là. Fait que c'est ça, je vais tout organiser mes petites affaires. Puis là, c'est la fête des pères aujourd'hui. Fait que on va fêter ça avec mes parents. Je voulais juste vous updater là-dessus. Je vais placer mes affaires, je vous montrerai tout ça après. Bon, ben j'ai installé mon stock. Fait que là, le petit panier, il a l'air de ça. Il est trop cute. Fait qu'il fit dans la salle de bain. Ensuite, je pense que le pot, je vais prendre ça pour cette plante-là. Sauf qu'il va falloir que je mette le pot comme complètement dedans. Fait qu'il va falloir que je fasse un peu de jardinage. J'aime tellement cette plante-là, là. Genre, I love it so much. Puis là, je commence déjà à avoir des nouvelles plantes, là. Celle-là vient d'ouvrir. So cute. Puis là, je vais vous montrer mon aménagement extérieur. Fait que là, je sais même pas, j'étais rendue dans mes derniers vlogs. Je sais pas ce que je vous ai montré, ce que je vous ai pas montré. Fait que je vais commencer du début. Fait que je crois que ça, je vous l'avais montré, comme il y a ma porte, puis sinon, il y a mon aménagement, genre de ma petite table de patio. J'avais mis mon cactus là avec ça, des souverains que j'avais avec des papillons, c'est pas trop mon vibe, puis je me disais que pour dehors ça pourrait être bien. Là pour le moment on met notre trottinette électrique là parce que j'ai une grosse boîte dans le garde-robe d'entrée vu que j'avais une chaise qui était trouée, je sais pas si vous vous en rappelez, fait que j'attends de le faire échanger, fait que là dans le garde-robe d'entrée puis ça prend toute la place, fait que les trottis on les laisse dehors parce qu'ils sont waterproof. Fait que ça c'est vraiment drôle. Là Félix il s'est acheté son barbecue. On a monté ça l'autre jour, ben plus lui là. Fait que là il l'a couvert, fait qu'on va le laisser là pour le moment, puis on va plus le recentrer une fois que les trottis vont s'en aller. Puis pour ma chaise, ça ressemble à ça, je l'aime trop. Fait que pour ceux qui le savent pas, c'est des chaises assez rares en ce moment. Fait que j'ai pris celle-ci, elle est trop belle, elle est genre grise, elle est grise pâle, grise foncée, je sais pas, elle est trop belle, sérieux, elle est faite un peu plus sur le long. Fait que je la trouve trop nice, puis ça pivote aussi là. Fait qu'on peut tourner comme ça. Puis là, mon coussin que j'ai acheté aujourd'hui, je l'ai mis là, trop confo. Puis en arrière, excusez, le soleil il est droit en arrière de moi, fait qu'on me voit là. Mais ça, c'est le acclimatiser les changeurs d'heure, je sais pas trop. Fait que je trouvais que c'était laid. Fait que je me suis dit, pourquoi pas mettre un peu de verdure? Donc, je me suis acheté ces plantes-là chez Costco qui vont devenir des grosses feuilles jaunes. Puis en arrière, là, il faudrait que je mette un autre pot, effectivement. Mais c'est un petit plant de bleuet. Fait que je vais commencer à avoir mes premiers petits bleuets bientôt. Cutie! Puis là, on a notre balai d'extérieur qu'on met en arrière. Mais genre, j'aime tellement ma terrasse, pour vrai, là. Genre, elle est tellement grande. On a full de place pour nos aménagements. C'est petits pieds de haut. On peut faire des parties terrasse sans problème, mais c'est trop cool, pour vrai, là, genre, j'ai envie que la vie passe tellement vite que j'ai comme pas le temps de vous updater, mais comme, je suis vraiment, vraiment contente d'être rendue là, puis d'aménager petit à petit mon petit chez-moi, fait que là, je suis full bien. Genre, j'ai tellement trippé sur la chaise, comme, que mes parents ont acheté à la maison, je crois que je vous l'avais montré, là. Fait que j'en voulais tellement une, je trouve vraiment que ça rajoute un petit effet cosy, là. I love it! Puis sinon, en cuisine, c'est ici que j'ai mis mes affaires. Fait que j'ai mis un crochet pour ma serviette pour essuyer ma vaisselle. Toutes mes affaires, mon petit recyclage. Trop nice! Fait que là, je vais préparer mon petit cadeau que je vais faire pour mon père. Fait que c'est la fête des pères. Puis après ça, on va se faire un petit souper. Puis je vous ai même pas montré ça. Ouais, puis ça aussi. Bonjour guys! Je suis vraiment proud. Il est 9h30 puis je viens de revenir du gym. Mais genre, ça a vraiment fait du bien de retourner un peu m'entraîner. Après ça, je suis allée faire une genre de randonnée en forêt. Really proud of myself. Fait que je m'étais levée puis je suis allée au gym direct. Puis là, j'essaie de finir ma bouteille d'eau avant de prendre un café. Allô la foule. Il est présentement bientôt 6h, j'avais le goût d'un jus d'orange. Un mois après les électros, on reçoit le... Couch. Hey! J'ai enfin reçu mon divan, donc on va faire un unboxing de divan.
Moi, je vais faire le juice. Pour l'échapper de la bubbly. Shit! Mais pour remercier, special shout out. Shout-out. Un de mes amis, Maxime. Oui! Qui est venu. Ben, dans le fond, là, l'histoire, là. C'est que la seule date qu'il pouvait livrer, c'était samedi, donc aujourd'hui. Mais malheureusement, je travaille, comme d'habitude. Fait que j'étais pas là. Fait que là, Félix était avec un de ses amis, puis ils ont reçu mon divan, puis ils l'ont installé, mais ils ont laissé quand même la couverture de protection pour me laisser quand même le bonheur d'ouvrir mon divan. Parce que quand même, là, je suis quand même un bébé, là. Fait que là, t'as poussé un peu... Le tapis même? Ouais, on l'a avancé pour pas mettre le tapis dessus. Mais on va le mettre un peu en dessous, là, un peu en dessous du divan. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Fait que là, j'étais en pyjama, là, fait que don't mind that. Là. Ok! Ok, la gang. J'ai le pyjama de Noël aussi. Attends! Avoue que tu l'as remis. Non, pour rien. Avoue que t'es triché. Les pattes sont hauts. Bon, tout simple. Sont-tu déjà mis les pattes? Oui. C'est ça, choqué par la tête. This is gonna be. Ça. Oh my god, il croche. C'est le bon. T'es sûr que c'est le bon côté? Oui. Hey, tu hôtes la couleur! Il est déjà effet vintage, je suis tout scrap. Bon. Cheat. Je sais pas, là, c'est une préférence. C'est fucking nice! Ah, il y a une chance qu'on l'a pas pris caramel. Il est pas si orange flash que ça. Oui. Ouais, il va grab dinner. Ouais, ça va être là. Tu l'as vraiment. Ou tu l'aurais pas choisi? Moi, je suis pas du genre, tu sais, le petit vin cher. J'aurais été genre style le petit vin qu'il y a pas confort, pis ça fait un peu. Mais tu vois, les électros, j'ai été me gâter. J'ai l'air d'un gros pacha, hein. C'est quoi le pacha? Ben, il est vaché. Oh my god! Ok, attends, là on va pousser le tapis en dessous. Ouais? Ah, c'est quand même. Il va manquer quelque chose de mieux, hein? Oui. Une photo de moi sur la plage. Tu sais, faut pas le déposer. Ah non, mais j'aime ça pour vrai. Mais t'es sûr que tu mets le tapis par en dessous? Ben oui, ben. Comment ça? Mais là, on va pas laisser ça là. Bon, fait que ça, c'est l'été actuel de notre salon. Là, je sais pas si je vous l'avais montré, ça c'est ma lampe que j'ai achetée chez Ikea. Là, j'ai mis mes petits poufs là pour le moment. Divan, Félix, Doudou, tout vient de chez Structure. Ça c'est Costco, Anthropologie, Simon, je crois, Boucleur, ouais. Mais là, ça, je pense que ça va changer, là. Charles, toi, tu viens d'où? Mon gros chat. It's nice. Ça donne fucking de couleurs. Tout est à nos couleurs. Mais avoue qu'il manque quelque chose seulement. Hein? Il va manger. Ben non, il est juste curieux. Hello guys, donc là on est le lendemain matin. On va être le 27 juin. Ça doit. Je reviens d'aller au cinéma voir Fast and Furious le 9. Il était vraiment bon. Quand même assez différent des autres, il était vraiment vraiment bon. Puis là, je m'apprêtais à me maquiller parce que j'ai un petit souper ce soir, un petit souper fondu. Et ça, je vais m'arranger un peu parce que je m'étais pas maquillée pour le cinéma. Je voulais vous remercier d'avoir écouté ce vlog qui était un peu plein de journées mélangées. J'ai reçu mon divan, fait que je suis bien contente. Fait que merci beaucoup d'avoir écouté. Likez le vlog si vous l'avez apprécié. Vous irez me suivre sur mon Instagram pour avoir plus de contenu. Si jamais c'est pas déjà fait, c'est alex.larouche. À la prochaine!